Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Avant de commencer le discours, je dis hein, qui sont un jour mémorable pour moi personnellement et pour tout le peuple haïtien. Je rappelle les partisans, les sympathisants, tout le monde qui remet. Je dis, là nous prenons la décision de voter pour moi, pour me devenir président, il y a des gens qui n'ont pas voté pour moi. Ça veut dire qu'ils ont voté pour l'autre candidat. Je dis à M. le président, ni nous-mêmes, et M. le président, ni les gens qui n'ont pas voté pour moi. Ça veut dire, M. le président, tout haïtien. Et c'est, je profite l'occasion pour me dire que le choix nous te fait de moi, pour me respecter parole, moi, engagement, promesse que me te fait nous, choix ça fini 7 février 2022, après ça, je ne suis pas candidat encore. Moi, je voulais pour tout le monde comme ça. Son choix que nous te fait, et me pense, je ne suis pas candidat pour qui ça, c'est pour me dire nous, que sous constitution nous te fait choix pour me président, c'est sous lui m'a quitté pouvoir. Parce que constitution a dit, yon président doit prendre yon mandat. Et m'a dit, c'est pas qu'on aime mon travail m'a fait. Je dois décider, même avec un poule en pile monde, cap dit, t'es dit peuple là, constitution ça quoi le fait là. Je voulais bénéficier de lui pour mon candidat, même si nous aujourd'hui, ah non, moi, c'est le président qui respecte la loi, c'est le président qui respecte le pays, constitution 1987 là, c'est sous lui le président, c'est sous lui m'a quitté le pouvoir, et il m'a donné le droit pour mon candidat encore. Même profite occasion tout. Pour me dire tout le monde que constitution ça, le président sous lui, pays a ingouvernable avec lui. Ça veut dire ou même peuple là. Si nous voulons changer pays à tout bon vrai, c'est pour nous changer constitution ça. 27 juin 2021, c'est pour nous total voter pour nous dire non à constitution ça. Qu'on constitution qui sont pacte de corruption entre un groupe net dans le pays a, qui décide Haïti c'est pour y aller. C'est pour nous dire non. Même Jean moi me dit non, me camper me dit non parce que c'est pouvoir bon pour me droit pour me dire non ça. Non à pacte de corruption ça. Non à constitution ça prend un groupe nègre qui comprenne que pays a c'est pour y aller, mettre pays a c'est peuple haïtien. Je crois que le clair pour tout le monde, je dis à un monde qui pas vle, c'est pour aller voter pour dire non. Mais un monde qui pas vle, c'est pas dans le micro pour venir dire non, c'est pour aller dire non. Dans l'union, dans le côté que peuple a mettez, parce que c'est ça qui démocratie, démocratie c'est capacité pour gagner. Pour dire oui vous voulez ou bien non vous voulez. Et ça, moi-même comme président, je dis, opportunité que le moment ça offre, fin 50e législature, nous connaissons bien 50e législature qui finit 2e lundi janvier 2020. Je dis à une fenêtre d'opportunité parce que opportunité ça, t'es dans mes frères mieux. Seul yo, qui était sénateur, qui était député. Moi-même, comme président, moi te mette plus passé 100 millions de gouttes dans le budget pour le Parlement, pour te changer la constitution, pour te amender la constitution. Comme la dépenser, il n'est pas fait. Je dis à me prendre décision, comme la dépenser, pour le fait. Et c'est ça nous dit. Original. Pendant avant de parler, tout le monde était en silence net. Parce que je ne parle pas avec nous matin. Même le silence net. Ça a dit tout ça. Il y a mon lagi. Je cousin la Philomé, il y a un gros fanatique là. Délégué, il y a un gros fanatique. Sénateur, il y a un gros fanatique là. Magistrat, il y a un gros fanatique. Bon ça. Mais je dis nous, message pour nous matin, j'ai besoin d'oreilles nous. J'ai besoin d'attention nous. J'ai besoin de bouche nous. C'est pour tout le monde. Restez doucement. Bon test sur silence là pour moi.
Même gardez les gens qui parlent là. C'est pour tout le monde. Reste en silence. Message nous parle pas aujourd'hui pour nous entendre. Parce que aujourd'hui, c'est 7 février 2021. Dans 2 jours, je vais 4 ans président. Je voulais la caille moi dans l'audace. Message nous parle là pour le monde entier. Je veux silence nous. Mais le silence nous parce que moi son genre 2013 comme manifestation mal fait et puis t'es mon jeune garçon qui sont jeunes monsieur peut-être pas monsieur Kapati bien là toujours monsieur bon balle dans pied. Les bons balles dans pied, les âmes de côté avec candidat. Nous sommes jamais devinés. Chalamol Junior là. Tégon l'autre journaliste. Moi rencontré. Moi rencontré pour liberté. Moi viens dire, est-ce que nous voulons nous la vérité pour qui ça pour liberté à quoi n'amène pas gagner quoi. Tégon, nouveau directeur. J'avais le directeur départemental d'éducation qui était représenté société civile. Mettez monté pour ton prince, ensemble avec l'équipe Sao, je te bats espoir. Même si je suis venu avec vous, je la vérité. Pour me dire, pas de cas courant, ni pour liberté, ni pour anamètre. Parce que central qui vient, non, pas de cas qu'on l'a trop petit pour bail, pour liberté, à quoi anamètre courant. Et pourtant, vous avez continué à vous mentir. Vous avez préféré comprendre que central, ça a dégagé. Depuis mon président, son seul bagage politicien gagné, président dit qu'il a mis le coup de liberté à Panamet, il n'a pas menti le bagage. Piège contre. Jeudi 7 février. Moi là, je viens devant nous parce que je devine bon pouvoir dans nous. Je devine bon pouvoir quand je me dis nous, Zam qui m'a dit dans nous en carte d'identification, carte électorale. C'est lui-même qui dit là pour nous mettre dans une nage non. Bon, que nous déposer. C'est ça qui nous tourne dans nos matins. Si vous avez depuis qu'il est que vous avez un. Et je profite de l'occasion pour me faire, pendant que je parle là, porter des documents pour moi, mon document sous. Merci. C'est-à-dire pour me garder devant la caméra, c'est commission de pilotage de la réforme du secteur de l'énergie. Mais son sommet exécutif qui fait le 3 novembre 2015 son rapport intérimaire. Et dans la page 4 là, je vais vous dire, pour me lire, pour le peuple haïtien, qui ça que Mounsa, qui c'est des gros experts, gros savés, gros fonctionnaires publics, qui ça a été écrit? Million de dollars, moun ti gwa va brel amwe, moun ok a brel amwe pa jam bien courant. Information que mien, l'État paye 2 millions de dollars et puis gagne 6 mégawatts qui installe ti gwa, gagne 6 mégawatts qui installe au okay? Et pourtant, ti gwa gagne exactement 1,5 mégawatts en fait qui disponible. Ça veut dire, courant ti gwa là c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane, mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, Miragouane n'a pas jamais eu de courant parce que 6 MW installés, c'est 1,5 MW seulement que la centrale là-bas. Et pourtant, l'État toujours continue à payer même l'argent. Au cas même, il y a 6 MW qui sont installés, c'est 3 MW réels que au cas joignent. Mais ça n'a pas lieu là. N'a pas dit le central yo a marché. Central ça yo gagne des mois. Si nous elle n'importe qui mon au cas là. Mandé yo depuis qu'il le central au cas là démarche. Mandé mon tigouave depuis qu'il est que au dégain quoi. Et m'a profité d'occasion pour me faire pendant m'a parlé là porter document pour moi mon document sous merci. C'est dit pour me garder devant caméra c'est. C'est commission de pilotage de la réforme du secteur de l'énergie. Mais son sommet exécutif qui fait
le 3 novembre 2015 son rapport intérimaire. Et dans page 4 là, n'a rien pour me dire nous, pour me lire pour peuple haïtien. Qui ça que moun sa qui c'est des gros experts, gros savants, gros fonctionnaires publics qui ça a été écrit. Il dit que la situation des cailles de Petit Bois et de leurs environs doit être adressée en urgence, vu que la ETRAC, qui assure les services de production, ne dispose plus de contrat depuis plus d'une année. Là, on a parlé de 2015. Ça veut dire qu'ETRAC n'a pas de contrat depuis plus qu'un an, en 2015. Ça veut dire depuis 2014, il n'a pas de contrat. L'Enfin Bay, Nord-Ouest, l'eau équipement parle, c'est dans le nord que ma courrier. Ça veut dire, je dis 4 janvier, moi dans le nord, moi pour 70% équipement, parce que 30%, c'est pas tout équipement, on va me dire ça. 30% équipement d'ailleurs, qui a privé au fur et à mesure, parce que l'équipement, nous commençons à livrer en décembre, nous avons fini de livrer au fin avril, parce que chaque quantité équipement qui rentre, chaque département dans le pays a besoin de l'eau paille. Parce que le pays a, c'est 27 750 km². Pays a, c'est 146 communes. Pays a, c'est 572 sections communales. Haïti, c'est 10 départements. Ça veut dire chaque direction départementale qui est dans le pays. Pour aller l'eau équipement pao. Et chaque département pays a une responsabilité pour faire 100 km de route chaque année, chaque direction départementale. SEEUR, c'est Service d'entretien d'équipement urbain et rural. Son direction déconcentrée, ministère des Travaux publics. Nous, avec le ministre là, et avec le directeur SEEUR là, et nous vivons là, si nous comprenons bien, là, c'est Radio Nationale. Ça veut dire, dans le cadre de réparation que nous avons fait pour Radio Nationale reprendre local, moi, été jugé bon pour garder l'environnement radio. Pour moi, comment l'environnement est. Est-ce que radio, l'argent, l'État dépensé à l'argent, taxe à quel peuple là, est-ce que les propices pour nous dépenser comme ça là? Et puis, nous vivons où ouais, nous venons dans notre gros cimetière. Un cimetière camion, encore. C'est tout notre cimetière camion qui est dans le pays. Ici, là, si nous regardons derrière nous, là, c'est des camions Renault que l'État a ici acheté. C'est des camions. Chaque camion sera presque ministre. Dans 300 000. Dans 300 000 là. Exact. Chaque grain. Là, il y a 30 camions comme ça qui campent pour des pannes mineures. Mais sauf que. Et le achat a fait, tu as quelques petits problèmes techniques, responsabilité qui vous prend pour te faire réparer l'équipement, pour te faire entretenir, responsabilité ça ne pas te prendre. Je vous dis, nous-mêmes nous venons, comme nous disons, nous avons continué, nous avons corrigé, nous avons innové. Ça, c'est une correction nous allons porter pour nous sauver 9 millions de dollars que l'État haïtien dépensé comme peuple là, pour nous, comment pour nous faire camion ça. Dans l'esprit caravane qui va lancer dans l'Ouest là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le département l'Ouest sont gros départements. Chaque direction départementale va jouer 10 grands camions. On dit 8 camions, c'est ça, ministre, c'est 80 camions. 8 camions. Parce que je dis 10 camions dans chaque direction départementale. Maintenant, 10 camions pas qu'à faire rien pour le département l'Ouest. Pour qui courait le mouvement ça, qui devait 22 mois dans la bataille là, moi nous là. Mais il ne faut pas oublier, nous toujours dit nous. Nous sommes gourmés, nous mettons président, mais nous sommes président pour servir tout le monde. Il n'y a pas servi ce groupe pour le quitter l'autre groupe. Il n'y a pas servi tout le monde. C'est même genre avec propriété moulin. Je ne sais pas qui propriété moulin qui était voté, ne savent pas voter. Toute propriété moulin, je vous dis, ça qui intéresse, c'est barrer encadrement pour que le. Récolte la fête dans la Tibonite, Duria, qui a joué un bon Jean Moulin pour le moulin. Et Jean me dit nous, ça sont boucanés pour nous dans le bouillie. Ça c'est trois quêtes là. Chalade. Chalade,
c'est mouvement bloc de production, mouvement coopératif, c'est Richard. Le tout valait à net, nous finissons mettre tête nous ensemble. Mais c'est toujours dit, t'es nous et pour nous, pas que personne qui va venir parler d'avec t'es. Tout le monde va parler de production qui fait là. Pour nous mettre un système qui va permettre de durer à bien moulin, durer à bien mettre dans le sac. Là qu'on y a à nous joindre, un pays qui voulait acheter du riz, mais nous, même j'avais des yeux là par exemple qui m'ont dit nous acheter. Mais on gens pour produire à présenter pour le vendre. C'est pour ça bloc de production. Moi encourager le mouvement ça. Nous, le 17 octobre, moi j'étais baillé coopérative. Une quantité de tracteurs agricoles. Chaque coopérative a une possibilité pour une quantité de tracteurs. Et nous continuons avec le mouvement parce que Valais la Tibonite rêve pas nous émettre dans 4 ans qui étaient mieux 50 000 hectares en Valais. Pour faire route pour vous, pour jouer une route qui a sorti Maïsac pour venir à Echelon, monde que Rivière a offert pour barrer. Les travaux publics ont dit après 4 ans de mandat, ça c'est la CETA. Il faut bien pour l'on sorti. Mais ça doit venir, il faut un pont qui fait, il faut route l'asphalter pour route la soie. C'est ça. C'est ça que travaux publics viennent aujourd'hui. Les 20 jours, on saute Thomasic pour venir, il faut route l'asphalter. Il faut un pont qui jette sur rivière. Aujourd'hui, pour mettre ses dettes. Nous ne sommes pas encore, c'est le président qui a parlé, mais l'équipe. Nous ne sommes pas encore, c'est pas sur le podium, nous sommes là. Nous sommes sur le bulldozer que l'argent peuple, l'argent acheté pour venir servir. C'est sur le camp, c'est ça que je promets. Je te promets route, je te promets courant, je te promets de l'eau. Je te promets agriculture. C'est ça que je viens faire. Même si nous avons acheté plus de 150 hectares agricoles, mettez dans tout le pays. C'est l'État qui achète avec l'argent taxe à qui pour nous. Jodi a m'a dit nous, l'État ça, son l'État que n'a met sous pied, n'a construit. Nous tous, nous venons là, pour nous venir garder à yeux nous. Est-ce que ça nous te ouais qui te passe riche là? Est-ce que ça nous te ouais qui te passe bon de père? Ça nous est passé au cap là? Est-ce que c'est lui qui a passé dans le Gonaïve là? Eh bien, je dis que c'est lui qui a passé Gonaïve. Je viens pour me dire que dans la Tibonite, département ça, pendant 4 ans qu'il est venu, il y a 400 km de route asphaltée là-dedans dans le département. Pour avoir 100 km de route asphaltée chaque année. Et me dis lui, année ça, nous avons 5 routes prioritaires avec nous avons commencé. Premièrement, nous avons Gonaïve Ténève. Première route qui vous fait. Deuxièmement, nous avons Gonaïve Anse Rouge. Deuxième route qui vous fait. Troisièmement, nous avons Henri Saint-Michel de la Dalaye. Troisième route qui vous fait. Quatrièmement, nous avons Gros Monde Gonaïve qui commençait déjà. Quatrième route qui vous fait. Cinquièmement, nous avons Grande Saline RN1. Cinq premiers routes avec nous, on a commencé avec Caravane. Équipement ça a coûté 123 millions de dollars. On a acheté équipement pour tout le pays, on a acheté 594 équipements tout neuf. Ça veut dire, département Nord-Est, même là avec tout notre département, qui est l'eau équipement pâle. Et, dans l'équipement, on a pour maintenant tout le pays, je dis à l'Ondi plus parce que tout le gouvernement est déplacé. Je dis à qui ça fait dans Nord-Est, nous avons puis l'équipement nous a débarqué, c'est parce que nous-mêmes nous avons une conviction. Magistrat dans 12 communes, départ, 13 communes département là, m'a dit nous, je viens là, je viens dit nous, je nous commencer. Mais tête ensemble dans l'association. Moi, je viens de dire nous, le map vient là, je dis premier ministre là, et puis je dis sénateur à Waza, moi, je dis que je ne vais pas te faire bien seulement.
moi ouais gain équipement qui pour labourer terre et puis dans mitan ville vol liberté parce que yo pas ka labourer terre dans béton hein. Yo la pour labourer terre en province en dehors côté paysan planté tant pour m'a demander nous magistrat yo ensemble mettez mais pour me pas ouais pour me pas ouais charu ça camper dans mitan ville encore pour eux même pour aller dans pan dehors côté monde yette pour la boue. Bande du Nord sur la route conduisant vers l'Abadi, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Je me souviens de l'état de cette route. J'étais en train de au bonheur. J'avais l'habitude de me rendre à l'Abadi. Pas les mêmes plus de 2 heures parfois pour se rendre à l'Abadi. Aujourd'hui, avec la construction de cette route, en moins de 20 minutes, nous pouvons nous rendre aujourd'hui à l'Abadi. Voilà pourquoi le pouvoir que vous m'avez donné, j'ai pris la décision, une décision extrêmement difficile et courageuse pour construire 4000 km de route sur les 4 ans qui me restent au pouvoir. 4000 km de route, ça fait 1000 km par année. Et ça fait 100 km par département par année. Le département du Nord n'est pas exclu de ces 100 km. Le département du Nord va avoir 100 km de route pour cette année. Le ministre des Travaux publics qui est là, le directeur départemental des Travaux publics qui est là, le président de la commission des Travaux publics du Sénat qui est là. Ils sont tous témoins de la volonté manifeste du président de la République. Et cette volonté qui s'est manifestée par l'achat de plus de 123 millions d'équipements lourds, de dollars d'équipements lourds, et nous avons équipé toutes les directions départementales de ce pays. Le département du Nord a aujourd'hui des équipements lourds pour construire des routes, pour interconnecter les communes. Comme je l'ai dit le mois dernier, nous allons commencer avec la route de Plaisance allant vers Pilate. La route de Limbé allant vers Port-Mago. La route de Barrière-Battant en passant par Dondon pour aller vers Saint-Raphaël. La route de Grande-Rivière-du-Nord en passant par Baron, par Ranquitte, par La Victoire pour aller vers Pillon. Nous allons interconnecter toutes les communes du département du Nord. Parce que ce pays nous appartient et c'est pour ça. Je viens avec cette nouvelle stratégie qui est la caravane du changement. Nous ne voulons plus cette politique de slogan. Pays à bouquet avec slogan. Je dis à fond de travail, ça que ça, nous marier, je dis. Et c'est pour ça, là, je dis, moi, je viens dans l'inauguration route ça. Moi, je viens dire nous. Route m'a dit, c'est route qui prend le temps pour route ça. C'est route qui boit asphalte. Je ne vais pas parler de route en débattu. C'est route avec asphalte, c'est ça m'a pas. Je n'ai pas la ministre des Travaux publics. Je me demande depuis qu'il est, il y a des gros travaux de curage qui sont faits dans le pays. Je dis, président, il y a 35 ans de travaux publics. Je ne vais pas songer. On flotte équipement. Pendant 35 ans de travail, il y a nos rivières qui font des travaux de curage dans le pays. Le pays a en pile problème. Avant même de parler de l'équipement, moi t'ai dit chaque haïtien qui a regardé, qui a écouté, femme et garçon. Nous arrivons dans un moment dans le pays à côté pour nous mettre vivre ensemble devant. On prend exemple équipement ça où vient. Regardez la population là qui vient entendre, qui vient regarder, qui vient avec Géo. Parce que l'homme est venu me offrir, me promettre, je dis. Je dis que je vais tourner avec l'équipement. Mais l'équipement est venu. L'équipement est venu là. Nous avons un militaire qui est campé dans là. Jeune garçon qui sait eux-mêmes qui va opérer l'équipement ça. Il y a un ingénieur là parmi eux. Et c'est pour ça que je dis que l'armée, c'est ça, c'était Wally. Son l'armée au service du développement. Je dis l'armée ça. Toutes les armes de guerre d'elle là,
mais âme de guerre, gros bulldozer, gros excavatrice, gros compacteur, gros camion, ces âmes de guerre la mise à. Parce que sont l'armée qui ont guerre avec sous-développement, sont l'armée qui ont guerre avec problème environnemental que pays a gagné. Sont l'armée qui ont guerre avec la misère que le peuple a plongé la donne de jour en jour plus plus. Nous en guerre avec tout problème ça. Sont l'armée qui ont guerre avec la corruption parce que c'est une gangrène qui empêchait que le pays a joigne tout ça le besoin. Moi j'ai un sentiment pour me dire, pour me relayer, directeur général à l'AN, pour me dire, ou comme ça, c'est pas rêve, moi, pour me dire, je vais venir. Parce que, comme petit nord, nous tous connaissons rêve, pour l'aéroport ça. Nous tous connaissons, j'aime dans la pile, mon ap parlé, et m'a réitéré pour me dire, mon nan nord qui était en bas la pluie, qui t'a voté, il n'y a pas de voter pour me débattre en terminal provisoire. Il a voté pour me construire un terminal en bonne et due forme dans l'aéroport au Cap-Haïtien. Et c'est ça que je viens pour me faire avant 7 février 2020. Maintenant, on a pile parole, Valé. En pile, mon dit, président promet en pile. Il y a pile d'autres paroles qui parlent. Mais m'a tout dit nous ça. Président de la République, chef de l'État, fils du Nord, tout samedi ma frère, et me camper derrière ça. De gros comme ça, qui t'a fait premier, et c'est ça dans le terrain, et nous t'es arrivé remettre des prix, forme d'idée, moi pas te connais si. 200 000 gouttes, t'es rien d'une importance ça pour les jeunes entrepreneurs. Là, m'entendez, c'est des récompenses de 200 000 gouttes que vous nous baillez, monsieur, monsieur entrepreneur. Même le moi-même, le dérapé, première fois dans la ville, moi, je dérape 10 000 gouttes. Mais, ça me toujours dit, c'est pas l'argent qui fait business. Premier, ça fait entrepreneur, c'est l'idée. Même des 200 000 gouttes, comment entreprise agricole il va faire déraper. Et puis, c'est le contraire. Ouais. J'ai un gars qui veut parler là des moyens. D'ailleurs, monsieur, qui devient 20 poules, alors ma maman, c'est monsieur Gould, que nous avons entrepris les vaccinés. Nous avons pris tout. Avec moins d'un poule, mais parce que. Comme ça en 2007, et le maire décide d'entrer dans la politique, de dériver un produit plus de 25 000 boulets de gestes à 45 jours. Je vous dis, on va peut-être noir, peut-être presque 45 jours. Ça veut dire son business que vous connaissez. Puis le problème de business à rien, système financier à part des gens qui ont une production agricole. Parce que l'aviculture, c'est une filière dans le secteur agricole. Mais le système financier haïtien n'a pas prêté le monde pour développer ce secteur. Et pourtant, là nous parlons du secteur agricole, vous comprenez bien, c'est tout ça qui s'agit de volailles, œufs, viande, poules, protéines, tout ça dans l'aviculture. Et pourtant, la banque ici n'a pas prêté le monde pour faire le business. D'ailleurs, pour les dire, ce n'est pas même pour faire business ça, vous savez. Sous chaque 100 dollars que le système financier a produit dans le crédit, il y a 1 dollar qui est dans le crédit agricole. Ça veut dire 1% de crédit total, de crédit global de pays qui est dans le pays. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques. Et désastre. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile.
Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays, ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptée en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre national de l'information géospatiale, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le Bureau des mines et de l'énergie, à travers l'unité technique de sismologie, permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables. Voilà aujourd'hui, ponctuel, au rendez-vous que j'ai donné à la fin de l'été 2018 pour la présentation officielle de ce que sera sous mon administration le programme de modernisation de l'État 2023. Avec pour objectif fondamental une administration publique au service des usagers, au service des citoyens. J'ai maintes fois insisté sur l'importance d'une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. J'ai aussi plus d'une fois déclaré qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. C'est pourquoi, joignant les actes à la parole lors de mon discours d'ouverture au Forum international sur la réforme de l'État le 22 mars de l'année en cours, j'avais instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réforme en cours et demander également au Premier ministre, par le truchement du coordonnateur général de l'ONRH, de préparer ce document qui, désormais, détermine, précise et indique les dispositions nécessaires, les mesures, les actions à prendre pour aboutir à une fonction publique rénovée, une administration publique modernisée, déconcentrée et décentralisée, et une gouvernance économique au service du développement du pays. La lutte contre la pauvreté et la promotion des droits de l'homme sont inextricablement liées. L'extrême pauvreté est une négation de la dignité humaine. Elle doit, par conséquent, figurer au cœur de l'action des Nations Unies. Ainsi, des centaines de millions d'hommes et de femmes auront l'espoir de voir un jour l'éradication de la pauvreté. Pour moi, dit mon dans la Tibonite, merci. Merci pour la confiance que vous avez fait moi. Et deuxièmement, pour moi, remercier le magistrat qui là. Moi, j'ai un discours magistrat 17 octobre 2017. C'est un discours qui était très long. Et discours, pas de long pour remercier parce qu'il y a une revendication de ville machin. Je suis sénateur Garcia Delva. Sénateur Yuri Latortu, député Charles Chancy. Son équipe, moi songe, campagne électorale là tant qu'aujourd'hui. Moi songe l'homme ville machin. Monsieur Abdim président, mais discours campagne ou machin. Parce que chaque temps ils vont côté,
équipe qui a voilà, ni dou que président mes problèmes qui yon yo, sa partie de yon pour nous parler, pour nous joindre votre peuple là. Et femme dit l'homme dérivé machin de Saline, problème terrain football là, tu frappé dans le jeu. Ça fait courant, moun yo te dit que nous sommes un petit tonton qui a 15-16 ans. Nous avons dit président, je ne vais pas voter, mais maman et papa, je ne vais pas demander de vous dire que je vais voter pour vous. Mande monsieur qui s'allie, il dit président, ouais moi-même là depuis me fait ma chambre pour un machin. Il dit qu'il a joué, monsieur dit qu'il a 15 ans. Il dit ça veut dire machin président, il a 15 ans, il n'a pas un courant. Bon garanti président qu'on va mettre courant machin, maman, ma papa m'a voté pour. Je dis, je parle de première élection 2015. Parce que monsieur là, monsieur a regardé moi. 2015 à aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans, disons presque 4 ans. Monsieur Gentan a 18 ou 19 ans. Monsieur, ouais, ça le demande, 20 mois après, c'est lui-même qui l'a réalisé là. Et ça n'a pas réalisé dans le marché de Saline. Fierté PAM comme chef d'État. Fierté PAM comme haïtien authentique qui sont dans la racine du peuple. Fierté moi, c'est que première centrale hybride, je ne voulais parler de centrale solaire diesel, qui construit par EDH, électricité d'État d'Haïti. C'est dans la ville, côté, après nous fin pour l'indépendance, nous, premier capital pays d'Haïti, nous voulons parler de ville de Saline, ville papa nation, ça veut dire que c'est là, nous venons mettre lumière pour nous retirer mon dans fait noir. L'idée ça devine dans la tête, ce n'est pas de jeudi. Depuis le, moi dans la campagne, nous avons toujours qu'on aime de dire que moun par là son poisson pour bailler chaque jour. Meilleure façon ou cap retirer moun dans pauvreté, c'est leur ou montrer le péché. Mais malheureusement, l'État, nous connaissons gens à loup, administration politique l'on difficile. C'est jusqu'après 22 mois, et m'a remercié l'équipe, ça. Premier ministre, là, que m'a remercié publiquement, parce que l'homme fait réunion avec lui. Moi, dit PM, moi, je dois construire toute route qui est dans le pays. Moi, je dois mettre des lumières dans tout coin dans le pays. Je dois mettre de l'eau de tous côtés. Mais peuple, là, faut nous jouer nos gens. Pour qu'on ait pour tant de bouillir pour nous faire. Ça veut dire, faut nous voir comment pour nous arriver sur le monde qui a plus de problèmes. Ça veut dire, le monde qui n'a pas qu'à attendre, le monde qui n'a nécessité pour gérer vite. Il faut me dire, rapidement, il faut mettre un comité sous pied. Dans le comité, ça, qui est le ministère des Finances, qui est le cabinet, li, qui est le cabinet PAM, tout le monde ensemble, mettez tête ensemble, regardez qui ça gagne dans l'État pour nous descendre pour arriver sur le peuple directement. On a de participer. Nous jouons dans l'ONA. Possibilité pour nous créer 20 000 crédits, 20 000 crédits pour femmes à 25 000 gouttes. Femmes, dis-nous ça, je demande pour lancer dans le mois de décembre dans tout. 20 000 femmes qui pourront joindre 20 000 crédits à 25 000 gouttes. Je me réjouis aujourd'hui d'accueillir au Palais National les 100 lauréats du concours pour la constitution du corps d'ingénieurs et d'architectes de la fonction publique. Cette cérémonie revêt pour moi un sens tout à fait particulier, car il fait suite à un engagement solennel que j'ai pris devant la nation, que j'ai réitéré en maintes occasions. Des instructions ont été passées, des actes ont été posés. Acte qui vise à renforcer
l'administration et la fonction publique en vue d'offrir de meilleurs services à la population. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse mes plus vives félicitations. Je suis heureux de rendre hommage à travers vous à la jeunesse qui est le porte-flambeau de l'avenir et la gardienne des valeurs de notre République. Une jeunesse à l'émancipation de laquelle je suis profondément... J'ai le plaisir d'accueillir au Palais National un autre groupe de jeunes talents. Recrutés, non pas sur parrainage, mais sur concours. Appelé à renforcer l'administration publique haïtienne. Cette démarche, combien salutaire pour le développement du pays, s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'État, entreprise depuis mon accession à la présidence de la République. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus important qu'il concerne un secteur vital pour notre société, le secteur agricole. Ces 95 jeunes Haïtiens intégreront les bureaux agricoles communaux à titre de responsable. Je tiens à vous féliciter d'avoir été les meilleurs des 600 jeunes qui ont pris part à ce concours. Vous avez réussi grâce à vos capacités propres. Sans pistonnage. L'union fait la force, c'est de vise nous. Mais malheureusement, système ça, système pesé sous CA, les bonnes ont l'autre devise. Diviser, briller. Chaque temps, on a qui besoin de vivre plus riche, ou bien un groupe monde qui besoin de vivre plus riche, ils mettent nous en face de l'autre. Et puis ensuite, les nous finissons de gommer avec l'autre. Non, c'est le combat à mort qui est-ce qui profite de butin guerre, c'est pas nous. Ou même qui dans la politique, je dis à Capgadim, là, bataille à mort, ça, lutte ça, c'est pas vous qui pouvez bénéficier de lui. C'est le monde qui peut signer un gros contrat dans la division, dans la transition, c'est vous qui pouvez bénéficier de lui. Je dis à, pour voir que le peuple a besoin, pour voir. J'en ai toujours dit dans la campagne, le pouvoir vient de Dieu. Le peuple a bon pouvoir, bon Dieu servira le peuple à vous. Moi, je prends courage demain et je te dis merci parce que vous souhaitez le courage. Mais si pour me camper pendant 22 mois, je fais campagne, élection crasée sur moi, je vais camper, mon président, après 2 ans, 9 mois, jour, date pour date. En pile gros ouragan passé, nous sommes toujours campés là. C'est parce que nous avons une volonté magnifique pour nous arriver à travailler ensemble avec tout le monde. Pour ne pas mettre personne dehors. Parce que tout le monde voulait comprendre que nous avons fait une révolution dans le pays. Même à tout mettre un adjectif derrière pour nous. Nous avons besoin d'une révolution inclusive. Une révolution côté tout le monde qui a participé là-dedans. Quel que soit. Moi exactement dans ce côté immeuble qui a construit pour un AGD. AGD c'est l'administration générale des douanes. Nous, côté construction qui a fait pour le ministère des Finances, pour le consommateur des comptes, construction qui a fait pour la direction générale des impôts. Mais il faut me dire que depuis que je finis de parler le 28 octobre 2019 là, sous problème courant, nous avons pile haïtiens qui étaient concernés par ça et nous avons pile monde qui relève tout. Et c'est comme ça, j'ai 11 amis qui étaient fait me connaître, qui étaient dit président, pendant l'immeuble a construit, je connais quoi que l'État a dépensé en pile cob dans les affaires courantes dans la zone Tigouave avec Okaï. Et pourtant, la zone ça a toujours dans fait noir. Ça veut dire que la zone toujours dans la blackout. L'État payait. Chaque mois, d'après documents que nous avons, d'ailleurs, je vais présenter nos documents,
son document que commission intérimaire qui te travaille sur les affaires secteur énergie, hein, sur réforme. Non? Document ça clair. Il dit que l'État a payé chaque mois 2 millions de dollars pour Okaï avec Tigouave. Et pourtant, l'État paye 2 millions de dollars. Moun Tigouave a brûlé l'ambre. Moun Okaï a brûlé l'ambre, pas jamais bien courant. Information que m'y a, l'État paye 2 millions de dollars et puis il y a 6 mégawatts qui installent Tigouave. Il y a 6 mégawatts qui installent Okaï. Et pourtant, Tigouave a exactement 1,5 mégawatts en qui disponible. Ça veut dire, courant Tigouave là, c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, Miragouane n'a jamais eu de courant parce que 6 mégawatts installés, c'est 1,5 mégawatts seulement que centrale là baille. Là, on connaît que l'heure, pour faire historique, l'heure de prendre décision le 1er juin 2017. Nous songeons dans l'ouverture saison cyclonique dans Delma 2. Je te dis que Pral a un contrat qui va le faire pour nous équiper tout le pays, ministre de l'Éclat, qui pourrait permettre 6 000 km pour qu'il y ait un pays qui ne va jamais ou la casse-pâte. 6 000 km pour ça autour, qui n'est pas accessible, parfois il y a un route, même sous cheval, mon magasin. Le ministre de la Chita, avec l'équipe, l'idée du président, la meilleure façon pour nous faire le travail, il faut nous redynamiser la direction départementale. Et c'est ça que nous commençons à faire. 10 directions départementales, ministère de la République dans le pays, je dis, sont équipées. Mais il ne faut pas oublier. Là où finit mettre l'équipe dans la direction départementale, il faut qu'on ait une possibilité pour faire le travail. Encore ministre, tu travailles pour le budget 2018-2019. Tu as un corps qui te mette pour te décentraliser le budget. Ministère de la République. Mais malheureusement, Parlement, tourne en budget. Tu as 15 millions de gouttes par direction départementale par mois, qui est un montant total de 1,8 milliard de gouttes par année. Si vous nous convertissez, vous nous convertissez de l'année, si vous nous faites cet exercice, c'est environ 18 millions de dollars qui vous faire tout le pays à marcher. Commune n'a joué l'électricité, commune n'a joué l'eau potable, comme dit nous, installation système. Hydraulique là, il y a 21 km qui ont installé dans la ville de Tiburon pour desservir Caillou. Ça veut dire pour de l'eau dans Caillou directement. Problème, les gens qui ne peuvent pas faire bien marcher dans le pays, sont bloqués le pays plusieurs mois, ça fait pays là. Fait que le projet, ça a supposé finir en janvier 2020, l'a fini jusqu'en juillet 2020. C'est pour ça qu'il faut nous-mêmes nous mettre tête nous sous deux épaules. Nous. Pas coûter personne qui vient dire nous parole pour nous tomber dans le sac pas ça. Parce que là nous votons président, nous votons pour le travail. Là nous votons président, nous votons pour le capable de réaliser la promesse que le fait nous. Courant, c'était une promesse. Nous sommes tant de directeurs dans ce palais. Je ne sais pas si besoin de parler de ça. Parce que, en fait, je dis à rêve, il commence à réaliser là, d'un côté qui est loin dans le pays. L'opre 4 d'Haïti. Décision. L'homme t'a monté un gros projet sous côté université de Caracol, là, et de Monab là. Je prends une décision pour m'aider. Je suis un pile agriculteur. Moi, un pile visage dans le clan. Femme dit nous que je dis à Nap, il
inauguré un centre semencier. Mais, souci pas moi. Ça qui fait pas trop content, c'est que pleine, pour qu'on ait quantité de l'eau que le besoin pour faire du riz à redonner. Ça veut dire qui ça? Sous rivière Massacre, il y a 11 prises que Dominicains ont pris sous l'île. 11 prises. Et pourtant, nous-mêmes, en Haïti, nous avons 0. Depuis 2013, je suis boumé. Je dis en 2019. Je suis monté président. Premier souci, je suis venu dans Wanamet. Pour te garder ça. Problème de division, je répète. Fait que 35 mois après, malheureuse, dans ma rue Barreau, pourquoi je ne le massacre? Ça, il n'est pas fait bien. Mais c'est une réalité que lié. Et m'a dit aujourd'hui, hein, nous-mêmes, qui agriculteurs, qui t'apprennent de loi, je prends courage, je vous me dis, nous. C'est faute pam. Le map descend matin. Sous pisa. Sentiment. Les bâtons sentiment de fierté. Pour qui ça, c'est parce que. Je me rends compte que depuis longtemps, les bagages ont été faits dans le pays. Pour une raison où on l'autre dans le gourmet, on a l'autre. Nous quittons le pays enclavé. Directeur départemental que nous avons choisi pour Boris là. Moi, nous battons bravo, même dis nous. C'est un soldat, nous choisi, dans l'armée changement, nous avons campé dans le pays. Pour nous dire que le pays, il faut le changer. Changer son verbe. Qui tout coûte, pas vrai? Mais depuis que le monde qui monte chef dans le pays, ça nous est là. Ou dit changement, ou mourir. Mon Jérémy, il y a 18 heures de gros chaque jour. Qui l'aime, fait choix? En juin ou bien en juillet? En juillet? 5 juillet, me fait choix. Le 5 juillet, m'vin Jérémy. Non. À partir d'assoir, hey. Capé. À partir d'assoir, centrale là, dérapé là, la pétaine demain à midi. Venez nous comme ça. La pétaine demain à midi. Tenez bien. Y'a vos panne. On dit nous. Si nous ne parlons pas par même, la maison est remarquée pour nous. Les papes, je ne vais pas régler, non? Parce que bon dit nous, qui est après qu'on ne parle pas, Jérémy? La fête décembre. La fête Saint-Louis avec le président Vini. Il y a trois fois dans l'année à l'autre bagou. Eh bien, quand il dit nous ça, libre temps, je dis à nous dit que faut courir en bail de 6h du soir à midi chaque jour. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'en jusqu'à ce qu'elle arrive 24 sur 24. Presque 2h de temps pour nous dire que nous en bas. Je connais qu'en pile de revendications qu'on a fait sous affaire, reste travail ça qui beaucoup fait. Je vais vous donner une réponse tout à l'heure. Mais je dis, je viens inaugurer le troisième centre semencier pays. Le peuple, centre semencier, c'est gros français, nous ne comprenons pas. Paysans, comment expliquer nous? Pour nous comprendre très bien.
L'homme de dérapé, stratégie caravane, moi je dans la Tibonite, moi je planté dans la Tibonite. J'ai gagné 19 variétés sur moi, je dis. Ça veut dire, là où planté du riz, je ne pas compte du résultat du riz parce que il y a 19 variétés du riz que tu as planté. Et là, je me demande combien de tonnes de semences qui étaient faites chaque année. Je dis moi, c'était 2000 tonnes. À ce moment-là, dès que je suis parti pour me Taïwan, je suis arrivé, je rencontre le président Taïwan, le président Tsai, que je profite de saluer. Je me demande pour me battre un gros bravo pour lui tout. Parce qu'elle a accepté de changer de coopération avec moi. L'homme de dit, président, à partir d'aujourd'hui, c'est ça que a besoin de la. Et puis à ce moment-là, on même, comme que le peuple taïwanais a décidé de faire haïtien, c'est dirigeant haïtien au Gabadou, qui Jean, il voulait comme ça dépenser qui type de projet que vous. Il était d'accord avec moi. Il était mis des projets, 300 semenciers, dans un projet pour être construit sous 3 ans. Nouvelle, 7h du soir, TNH là, que nous toujours gardons religieusement l'homme là, oui, vous dites. Nous avons souhaité, ouais, bassin général là, l'eau la donne pour la rouge terre dans la zone quoi de bouquet. Maintenant, ça me dit nous que Jodia, c'est pas. Jodia, c'est pas un système solaire avec ça. Les gars, Jodia, ça fait 3e système visité. C'est pour montrer nous que ma pistale est le système solaire sur toute pleine net. Net, pas rien au pop qui te gagne dans pleine quoi de bouquet, qui pape des pop. Solaire sous lui. Même si nous avons fait ça, la serre, nous voyons que nous disons que la serre est ouverte. Ça veut dire manger comme ça fait la serre. Mais tout côté nous y est, côté qui peut avoir des popios, faut pas oublier ça. Nous devons pouvoir son même dit nous à chaque jour. Nous devons pouvoir vous montrer nous comment nous y sommes, vous mettez en clotte. Nous devons pouvoir vous démontrer nous comment nous y sommes en clotte. Ça veut dire, je veux dire, non. Volume tête gain dans quoi le bouquet, volume pompe qui gain, moi-même, moi j'ai me visiter la tremblée 12, les âmes d'absolute nos jardins papayes, les mouvés bon diaspora qui m'a montré au président qui a bu que l'État a fait un pays depuis qu'il l'a pour pompe ça à jour. Moi arrivé, nous te songez pas à faire mon réseau sociaux, nous te dit non jeudi pour mon plan marché, nous te fait le marché. Mais c'était avec courant électrique. Je dis à mon bon décision, côté avec coopération avec Taïwan, n'a fait toute pompe irrigation dans le pays, bénéficier de 8 hectares solaires gratis que bon Dieu pour nous. Premier ministre, vous avez une vidéo, bon, moi j'arrive peut-être au mois, moi. Un mois et demi. Côté de mon plan qui a parlé, qui dit que l'idée a pu. On a planté banane pendant que j'ai fait des terrains. Même si je fais pas de problème, situation que rien, de trouver là, dans difficulté que rien. Même moment, je dis le premier ministre, je dis bon, si je suis en toute difficulté, ça ne va pas décider d'aider. Mais ces décisions, ça nous pas. Nous baillons, monsieur, exactement. Je demande un peu que nous baillons. 150 battus, nous avons une quantité de battus, monsieur. Et nous avons monsieur des barrages. Nous avons monsieur un camion. Parce que moi-même, comme le monde qui est en production, je suis en train de transport. Okay. Parce qu'on doit faire une coupe de banane. Banane est pourri dans mon. Si vous n'avez pas un moyen pour tirer dans le jardin, pour couper là pour mener la machine. Transport, c'est un bail qui est fondamental. Pour le monde.
dans le niveau monsieur qui est gagné presque 5 KO, 4 KO 2. 4 KO 2 en banane. En banane, ça veut dire, c'est pour ça que nous décidons, nous baillons cette possibilité pour le transport de banane. Nous baillons cette possibilité pour la rose de banane. Nous baillons cette possibilité pour mener le droit dans la terre. Nos amis, bon lycée qui a construit à l'air, et lycée à l'air, sans bâtonnel, lycée, l'Union l'école nationale. Ma décision, je t'ai dit que faut que lycée a construit. Pour nous retirer nous, la condition ça, nous m'a septembre, dans l'ouverture, dans ma novembre, dans l'ouverture, l'école. Travaillons, retardés. Jeudi, 8 janvier, moins vigne, retirez-nous en bâtonnel là, mal mettez-nous dans l'école 9. Je prends plaisir à inaugurer ce matin ce grand système de production d'eau potable qui va desservir une partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince. D'abord, je tiens à remercier notre partenaire, la Banque interaméricaine de développement, BID, qui a financé ce projet crucial pour les populations de Pétionville, Delma, Woodfrère, puis Blain, Vivi Michel, Tabar et Gérald Bataille. Ces travaux cadrent parfaitement bien avec la politique du gouvernement de doter le pays d'infrastructures hydrauliques modernes. C'est d'ailleurs l'un des chantiers prioritaires de mon quinquennat 2017-2022. Cette nouvelle infrastructure hydraulique qu'on inaugure aujourd'hui a une capacité de production de 8 500 000 gallons d'eau par jour et répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les populations de ces zones précitées. Un grand pas a donc été fait, même si nous sommes encore très loin du besoin total de la zone métropolitaine évaluée à 450 000 mètres cubes d'eau par jour. La seule ombre au tableau ce matin est que ces eaux proviennent de forages de puits. Nous avons des nombreuses rivières intarissables un peu partout à travers le pays. Elles jettent dans la mer des milliards de mètres cubes d'eau annuellement. Elle occasionne des inondations et cause d'énormes pertes en vie humaine et en bien. Pourtant, le pays rencontre de sérieux problèmes pour fournir l'eau potable aux populations. L'eau ne manque pas. C'est la gestion qu'on en fait qui est désastreuse. On a toujours tendance à considérer l'eau souterraine comme l'unique source exploitable pour la consommation humaine. On fait très peu cas des eaux de surface utilisées seulement pour l'irrigation des terres cultivables. L'un des prend décision pour me construire 100 jambes au place dans le pays. Quand il y a monde qui demande ça, 100 jambes au place. Mais oublier dans le campagne, ce n'est pas de promesse de faire l'engagement de prendre. L'engagement de prendre avec nous. L'homme de dit faut que les gens qui vont à l'école plantent des bois pour permettre de reboiser les gens qui déboisent. Quand par l'homme de fait 22 mois, je dis même pas là. Je suis venu pour me construire 10 centièmes au place. D'ailleurs, sans ça, nous la donnons là. Nous avons des cas à classe au Dinouli. Pose première pierre était faite le 3 février 2018. Ça veut dire aujourd'hui, nous, 30 janvier 2021, ça fait nous exactement 3 ans moins 4 jours. Ça veut dire, si Haïtiens et Haïtiennes font mieux, qui ont même d'affaires politiques dans le pays. Ils ont décidé pour nous marcher ensemble main dans la main. Je dis, ce n'est pas 500 jambes au place qui t'a bien inauguré. C'est à inauguration 10e. Non. Mais malheureusement, depuis l'année 2018,
pays a été en turbulence pour voir le président aller, qui va jamais gagner. Turbulence ça. Turbulence ça. Ça mène nous dans une situation côté chaque temps un président monté il prend engagement, il prend vision même gens après papa nation a une bonne indépendance on équipe nègre qui estime que le pays a c'est pour y aller au tuile.